un super classique. Les triolets alternés, on fait toujours par trois. Ça renforce vraiment le côté gauche, puisqu'on fait vraiment en parallèle, droite, gauche, vu que c'est impair, par 3. Et le 3, comme il est court, on pourrait faire par 5. Mais le 3 est court, donc ça développe plus de réflexes. Là, on a rajouté l'ostinato au pied, à l'accroche. Donc ça fait ça. Voilà, on peut commencer sur la caisse claire. Donc à savoir que le triolet alterné, soit les premiers coups sur les tomes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On l'a beaucoup vu, hein, ou le premier coup sur la caisse claire. Ok, donc on s'habitue, on fait séparément les deux. Et le but, c'est de passer de l'un à l'autre. Donc, soit on prend pour pivot les tomes pour faire le 1 sur la caisse claire, soit le pivot de la caisse claire pour faire les 1 sur les tomes. Mais on essaye de rester sur les pivots le moins longtemps possible. Il faut changer le plus rapidement possible. On commence lentement, bien sûr. Sans les pieds, pardon. Là, j'ai fait le pivot sur la caisse claire. Là, sur les tomes, caisse claire. Je change le 1 de position. Voilà, faut aller vraiment lentement pour que vous compreniez le geste. Et dans le pivot, il n'y a que deux coups. Si on veut bien faire, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, et ensuite on rajoute l'ostinato au pied. Aller très lentement et le challenge, bien sûr, et on peut développer ça sur des années, c'est d'aller de plus en plus vite. Ok? C'est parti!